Ok, salut, salut à tous les camarades, salut à tous ceux qui sont abonnés à notre chaîne Africa Please. Soyez salués. Je salue aussi également mes amis, mes associés, les DG de la plateforme, Valérie Aroka, sans oublier Jomandi Apia et mon ami Lirugui. Soyez salués et que la paix du Seigneur soit avec vous. Et salue vivement à tous ceux qui sont abonnés à nos chaînes et restez toujours connectés pour qu'ensemble débattons les sujets de la Côte d'Ivoire. Tous nous sommes ivoiriens. On va toujours causer et discuter des choses pour qu'ensemble nous avancions. Aujourd'hui, nous allons parler un peu d'un jeune frère qui est en tout cas qui s'exprime en tout cas bien et qui parle des choses, pas mal de choses, mais en même temps c'est pour lui tirer attention, parce que c'est vrai, quand tu dis des choses, il faut faire très attention à ce que tu dis, parce que tu oublies que les gens te suivent, tu oublies que les gens t'écoutent, tu oublies que les gens te regardent. Donc quand tu es devant caméra, il faut faire très attention. Ici, le jeune Cédric Kramba, c'est vrai, tu fais tes vidéos, mais quand tu fais tes vidéos, il faut savoir parler. Voilà, on ne parle pas pour ne rien dire. On parle pour donner des idées, on parle pour apporter des connaissances à d'autres personnes. On ne se lève pas comme ça pour parler dans le biais. Voilà. Tu es en train de t'exprimer. Tu es en train de dire que oui, Drogba, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais je vais te dire, frère. Toi, toujours, ton sujet, c'est quoi? Ton sujet parle de quoi? Ton combat, là. Ton combat, je sais que ton combat est de neutraliser et de en tout cas rejeter l'injustice. C'est ce qu'est ton combat. Ton combat, c'est de soutenir des personnes qui veulent faire du bien, les Ivoiriens. C'est ça ton combat. Ton combat n'est pas de détourner des personnes qui veulent s'engager avec des personnes qui veulent faire du bien à la Côte d'Ivoire. C'est pas là le combat. Donc ce qu'on voudrait te dire tout simplement, c'est de dire que fais très attention. Parce que aujourd'hui, par rapport à ce que tu dis, par rapport à ce que tu fais, les gens te regardent, les gens t'écoutent. Donc fais très attention à ce que tu dis. Fais très attention à ce que tu dis. Vous comprenez? Parce que quand tu t'assois derrière la caméra pour dire que non, et c'est vrai, aujourd'hui, on n'est pas obligé de supporter tant, on n'a pas obligé de supporter tant. Mais toi-même, tu sais, est-ce qu'aujourd'hui, si on laisse le comme ça, on laisse aujourd'hui et le côté foot à n'importe qui, toi, tu penses que la Côte d'Ivoire peut avancer? Avec ces trucs-là, tu penses qu'on peut avancer, on ne peut pas? Mais il ne faut pas voir la vérité, tu as dit que c'est comme ça. Nous, on t'aime beaucoup, on te regarde aussi. Voilà, il faut faire très attention à ce que tu dis. Voilà, on n'a pas dit ce que tu dis, c'est mauvais. Mais il faut dire ce qu'est la vérité. On sait que non, c'est pas forcé d'être avec quelqu'un. C'est pas obligé de supporter quelqu'un. Aujourd'hui, si toi, dans ta famille où tu es là, on veut décider un président du quartier. Tu sais très bien, ton grand frère là, c'est un voleur. Ton grand frère là, il n'a jamais réalisé quelque chose. Ton grand frère là, il prend l'argent toujours pour dilapider. Ton grand frère tout prend l'argent toujours pour chercher les filles. Il n'a pas de projet. Et on cherche un président. Et tu sais que dans le quartier, il y a un gars. C'est vrai, il y a un jeune qui est là. Il est prêt pour la jeunesse. Il veut tout faire pour la jeunesse. Toi, tu vas laisser parler sur ton grand frère. Tu penses que demain, si tu as sur ton grand frère, lui peut te prendre. On voit la, faut pas voir la vérité, tu as tout autour du pot. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui veut faire de sorte que les Ivoiriens, le football ivoirien puisse avancer, nous tous, on doit se mettre ensemble pour supporter la personne. Il ne faut pas dire que non. Et ce gars, il est comme ça. Et on n'est pas obligé de tuer. C'est pas normal.
Fais très attention à ce que tu vis. On te met en garde. Fais très attention. Voilà. Donc c'était ma part de vérité. Ciao, ciao, portez-vous bien et partagez ma vidéo. Restez toujours connectés. Ciao, ciao.